Bonjour à tous, c'est Julien Paradise et on se retrouve pour la deuxième partie du plan diabolique de Papa Mortel. Donc Papa Mortel, en fait, si vous n'avez pas vu la première partie, donc vous pouvez regarder la première partie, elle s'affiche en haut à gauche, tac, vous pouvez cliquer. Donc c'est pour voir la première partie commentée et à droite pour voir la première partie non commentée, donc le gameplay à Neo-Zix à droite, mon gameplay à moi à gauche. Voilà. Au moins ça c'est fait. Salut Neo-Zix, ça va? Salut, ça va et toi? Très bien, très bien. Donc là, on se retrouve pour la deuxième partie de ce DLC spécial Noël de Saints Row 4. J'allais dire Saints Row 5, carrément. Mais j'attends le Saints Row 5. Là, les doigts dans les fesses. Non mais sérieux. Sérieusement, je me prends le jeu, mais préco direct. Dès que le magasin, je sais pas, n'importe quel magasin dit c'est bon, on peut le mettre en préco. Pouf, préco. Je fonce dans le magasin et je le précommande. S'il y a un Saints Row 5, c'est clair. Parce que franchement, Saints Row, c'est une licence magnifique. Par contre, Saints Row 2, Saints Row 1, ouais, c'est du copier-coller sur GTA. Malgré qu'ils ont quand même fait mieux que GTA San Andreas. Niveau qualité visuelle. Mais quand même. J'apprécie pas, hein. Je suis pas très apte à Saints Row 2. Le 1, c'est vrai que je l'ai un peu plus apprécié, mais pas tellement que ça. C'est vraiment le 3 avec ce délire, avec les gods et tout. Oh putain, et ça, franchement. Oh là là, c'était une belle découverte, hein, ce Saints Row 3. Voilà, voilà. Voilà. Non, ouais. C'était une belle explication, tu vois. Et donc là, il faut que. On met. Enfin, il faut qu'on. Tue. Papa Mortel, parce qu'en fait Papa Mortel c'est la version diable du Père Noël, hein, puisque le Père Noël c'est la version ange, vous voyez les anges, enfin comment dire ça, le paradis. Il y a une arme le Père Noël, il y a une arme le Père Noël là, non? De quoi? Je suis quand même marrant de voir le Père Noël qui met des coups de poing et tout, tu vois. C'est à dire? Là tu vois, il est là, il met des coups de poing. Sérieux? Il est où? Attends. Ah ouais. Ouais, mais bon, il est obligé de se défendre, hein, malgré que là, il fait une belle tête de bagarreur. Et où? Ok. Alors, faut savoir que Neo-Zix a des frères. Il a deux autres frères. Ouais. Je tiens à préciser au cas où, parce que si... Si vous entendez qu'il parle comme ça, il parle pas forcément à moi. À des moments, il va... Ah ouais, yes. Alors, je pense qu'on on va pas le faire. Mais il y a un trophée là, je pense aussi. On va pas le faire, on va faire plus simple là, je pense. Hein. On le fait pas, ça va être trop long. Non, ça va être trop long. Donc là, on va se rendre aux écuries. Toi, tu vas à gauche, moi je vais à droite. Ouais. Alors. On va déjà tirer. Est-ce que c'est ça? Et... Désactive le renne. Donc là, vous pouvez voir que c'est des prototypes de renne. Déjà, vous pouvez vraiment voir que c'est très futuriste. En plus d'avoir Sean D Terminator. Donc... Le Papa Mortel, il se la joue futuriste. Donc là, je vais me casser parce que je commence à plus avoir de vie. Moi, pareil. J'ai voulu faire le fou en désactivant les rennes, mais... Que dalle, ça n'apporte rien. Là, c'est pas... Punaise, merde, je vais me barrer parce que je serai pas de la vie. Voilà, je vais me protéger un petit peu, malgré que là, c'est pas de la protection. C'est parce que j'ai pas de la protection. C'est bon. C'est pas totalement bon. Tac tac tac. Ok, nickel. Merde, on me tire dessus à mort. Un conseil, à mon avis, ce qui est mieux, c'est d'attaquer les ennemis par le feu. Ils sont très vulnérables. Mais j'ai remarqué aussi que les biscuits là, les petits biscuits, ils sont très vulnérables à la glace. Ils éclatent. Donc faut faire attention selon les ennemis. Voilà, c'est bon pour les rennes.
Voilà. Boum. Nickel. Donc, et pour ceux qui veulent savoir pourquoi faire la vidéo donc spéciale Noël en deux parties, tout simplement parce que sinon ça reviendrait trop long et c'est mieux de le faire en deux parties, franchement. Comme ça au moins vous avez le temps de regarder la vidéo. Et puis au final, je mets une vidéo le 24, une vidéo le 25. Il y a trop d'ennemis. Tout le monde est content. Ouais, y a trop d'ennemis, je peux pas le faire. La glace. La glace, nickel. Bute-les et moi je m'occupe de. Du renne, ok. Donc hop. Je mets ma droite chion. Ok. Bah non, c'est dans le réacteur. Merde. Tac. Ah, même Vas-y. pas. Ah ouais, Twinkle. Twinkle. Ok, bon, on va le pourchasser. Alors, ce C'est du en qui bleu là? est. Ouais, celui-là en bleu là. Par contre, ce qui est chiant, c'est que on le pourchasse, mais on peut rien faire avec. Ah, tire-lui pas dessus, tu peux rien faire. T'es obligé de le pourchasser. Alors, d'ailleurs, pendant ce temps-là, moi, je vais essayer. Donc, pourchasse-le. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas un petit secret. J'avais trouvé un petit secret dans la map. Je vais essayer de voir ça. On va dire j'ai déjà top parce que là Oh, par exemple, voilà, là on voit écrit tueur 10. Oh putain! Oh putain j'ai déjà top. Petit secret, bas les lutins géants. Ok, j'arrive. Ah, tiens, là-bas, il y a un petit campement. Pareil, c'est un petit secret. Alors attends, j'arrive. Chaud là, pour toi. Ok. Putain, il faut des Kamehameha ou quoi là? Putain, moi je me cache, je rate de la vie. Ah oui, t'as pas tort là, ils font des Kamehameha. C'est ça le pire. Ah là 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 là, eh, ils sont puissants. Hein. Bon, eux, je sais, c'est le feu. Eux, faut les combattre par le feu. Parce que vu que c'est des lutins. La glace, ça les convient pas, tu vois. Enfin, ça les convient, j'ai envie de dire. La glace, ils ont l'habitude. C'est comme le Père Noël. C'est vraiment des Kamehameha. Hein. Il y en a qui sont plus puissants que d'autres. Ouais. Donc, faut que t'attaques ceux qui sont plus puissants. Oh, toi, sale fils de pute. Ah là là. Alors. Tac, 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 tac. Par le feu. Et ouais, t'es mort. Oh, il s'est pris dans les couilles. Il n'a pas apprécié. T'en attaques un là, moi j'attaque celui-là. Oh putain. Quoi? Il Attends. reste un. Ouais. Tac. Terminé. Ok. Oh, ton perso il gère, hein. Il est un petit peu en jogging, mais ça va. Rends-toi à l'atelier. Ah ouais, c'est vrai. Bon, je spoil pas. Je crois qu'il faut se mettre ici. Pas spoiler. Récupère un déguisement. Vas-y, alors attends. Je prends. Eh ben, je prends ça. Oh, la référence! Alors là, je te laisse le dire. T'as le gear. Metal Gear, ouais. Metal Gear Solid. Ah, déjà, Le 2. c'est pas la première référence. Parce que dans Saints Row, il y a beaucoup de références Metal Gear aussi. Ouais. Donc, de toute façon, le jeu s'est indiqué qu'il y a un peu plus de 50 références de tout et de n'importe quoi. Donc, c'est indiqué sur la jaquette du jeu. D'ailleurs, je voulais te dire, franchement, je trouve ça abusé. Parce que moi, tu vois, moi j'aime bien regarder quand même les boîtes de jeu. Je les regarde, je les lis. Je suis peut-être le seul, mais voilà. Sur BF1, et ça c'est pareil sur BF4, c'est pareil sur Hardline aussi. Pourquoi ils ont mis en néerlandais, je sais pas quoi, la langue? Pourquoi il y a très peu d'éléments? Pourquoi sur la jaquette il y a très peu d'éléments? C'est de pire en pire les jaquettes de jeu. Quand t'achètes un jeu, t'as de moins en moins d'images. Ouais. C'est Et. parti, vas-y, vas-y. Ouais.
J'ai plus de munitions du tout, ça va te péter un plomb là. Moi, il y a moins d'images, ouais, mais je sais pas si. Je sais pas si, ouais, je sais, il y en a, il. Comme moi, je dois dire, parce que pas de, d'images, tu vois. Bah ouais, c'est. Wow, je gère. Donc, alors, ici, rien à faire. Là, on fait le ménage. Ouais, on fait le ménage. Donc, ouais, donc là, faut un peu combattre quand même. Attends. Alors. Ok, donc ça, ça marche pas. Coup de froid. Ah, tu vois. Si je meurs, c'est assez drôle. Parce que, franchement, je meurs très peu dans cette intro. Alors, attends. Hop, 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 hop. Où es-tu? Tu es là. Petit biscuit. Ah merde. Oh le bug. Hop. On doit récupérer une arme, je crois. Ouais. Ouais, voilà, c'est l'arme est dans le coffre. Nickel. I think you'll find something special for you. For me? Santa, you should. Oh, les deux. Ah ouais, pistolet de pistolet. Ah, ah, ça c'est énorme. Alors là, je suis d'accord avec toi. Oh putain. Du coup, il va crever. Ah, faut savoir en plus que le pistolet dubstep, la musique est un énorme copyright sur YouTube. Toutes les musiques dubstep de Saints-Row, c'est des énormes copyrights. Voilà. Après, si je vous retrouve la vidéo, j'essaierai de mettre en lien la vidéo de Pat et Jérémy. Donc la chaîne de Jérémy et Pat Laréal, qui ont fait une très belle vidéo sur... une réaction qu'on pourra avoir si on se prend un coup de dubstep gun, quoi. Une réaction tout à fait lolesque. Et j'essaierai de mettre le lien. Parce que la vidéo, elle est franchement pas mal à voir. Et assez drôle. Voilà, voilà. C'était au tout début de Jérémy et puis de Pat. Tu connais, toi? Non. Oh, je sais pas. Tu connais pas? Non. Ouais, quand même, hein, c'est des podcasteurs, la chaîne de Jérémy et Pat Laréal. Ils ont tous les deux 2 millions d'abonnés. Donc, au calme. Oh, au calme. Le pain d'épices doit mourir. Waouh. Les G-Bug. Ah ouais, d'accord. Il s'enfuit sans moi. Le combat avant Noël. Terminé. Bon, ça c'est bien, ça. C'est un beau titre de vidéo. Mm. 2100. 16 ans EXP. Bonus 5%. Look d'arme, pôle nord. Pote, mère Noël. Véhicule traîneau 1. Tenue costume de lutin. On attend de toi. Dubstep de Noël. Tenue costume de Père Noël.